Je tenais à vous dire que j'ai reçu un objectif pour me mettre à la photo. Bientôt, je vous mettrai sur Instagram des très belles photos. Du coup, je voulais vous dire que je suis très frustré parce que j'ai un objectif d'appareil photo, mais j'ai pas encore reçu l'appareil photo. C'est vraiment trop triste. J'ai envie de mourir. Oh putain, j'ai un t-shirt transparent, y'a rien qui va. Je sens que je suis transparent là, je le sens. Je sens que je suis semi-transparent. Si je suis transparent les gars, vous mettez dans le chat. Non, ça va, t'es pas transparent gros. Fais comme si tout allait bien, j'ai vraiment la flemme d'aller changer de t-shirt. Vous pouvez me dire que je suis pas transparent s'il vous plaît. Je vais faire un striptease, je suis obligé. Hors caméra bien sûr. Mais je vais aller me stripteaser un petit peu pour revenir avec un t-shirt pas transparent. Je prends mon courage à demain, comme ça on passe un live où personne n'est perturbé. Abonnez-vous parce que les gens ils regardent mais ils s'abonnent pas. Il y en a plus de 50%, non, plus de 40% j'avais vu l'autre fois qui regardent et qui s'abonnent pas. Je vous explique la soirée de A à Z pour ceux qui auraient loupé les premiers épisodes, et je suis sûr que tout le monde va se rappeler. Je vous explique le plan démoniaque, je vous explique là où on en est. Les gars, comme vous le savez, on fait une aventure survie en hardcore. Ça veut dire que si on meurt, on meurt définitivement. C'est la mort assurée, plus personne ne vit. La vie n'existe plus quoi, c'est terminé tu vois. Du coup, on a mis en place un plan pour obtenir le totem d'immortalité. Vous savez tous qu'avec le totem d'immortalité, si on meurt, on est revivant. Donc ça, il nous le faut absolument si on en hardcore. Non, je suis toujours pas mort, Mathéo, je suis trop fier. Pour avoir le totem d'immortalité, il faut déclencher un raid. Pour déclencher un raid, il faut rentrer dans un village. Ça déclenche une genre d'instance où tu te bats avec des gens. Et si tu gagnes la bagarre, à la fin, t'as un totem d'immortalité. Du coup, pour être sûr de pas mourir, ça, c'est un village. Ça, c'est la porte d'entrée au village. Là, je vais fabriquer une tour dans laquelle je vais me positionner en haut avec un arc pour tirer sur les vilains. Pardon, je m'étouffe tellement mon plan il pue la merde. Les ennemis, vu qu'on aura fait une petite porte dans le village, ils viendront tous par là. Et on leur pètera la gueule depuis le haut. On a farmé énormément de fer. Énormément pour préparer des petits golems de fer qui vont nous aider à nous défendre. Quand les monstres arriveront, ils se feront péter la gueule par les golems et nous on les finira à l'arc. Et à la fin de ce truc, général de Garlinka, oui, appelez-moi colonel. Tout le monde m'appelle colonel, s'il vous plaît, dans le chat. À la fin de cette soirée, on aura fait cette instance, tout le monde sera fait péter la gueule et on aura enfin notre totem d'immortalité. Donc là voilà la théorie. Et je vais vous montrer maintenant. Je vais vous montrer la réalité. Comment ça s'est fait tout ça. Là vraiment je suis au taquet les gars. Veuillez me vous voyez s'il vous plaît maintenant. Parce que est-ce que vous Denis Brognard il vous répond sur Twitter? Je crois pas non. Est-ce qu'il vous retweet? Est-ce qu'il vous mentionne? Je crois pas. Donc évitez s'il vous plaît de trop prendre la conf avec moi. Parce que moi il y a Denis Brognard qui me parle pendant Koh Lanta. On doit déclencher le raid. Pour ça il faut attendre. Donc là ça va pas être le moment le plus fun. En gros on va attendre la nuit. Ça va être un petit peu chiant peut-être. On a fabriqué un truc. Il y a tous nos petits golems de fer qui sont prêts à être invoqués avec nos têtes de citrouille. Et le seul souci pour déclencher le raid, on doit attendre de voir, vous savez, les espèces de petits monsieur qui marchent là avec des pancartes. Le truc c'est qu'on est sur une île. Du coup bah, on peut pas trouver leur maison. Donc faut juste attendre qu'ils spawnent. Donc ça va pas être très fun. 2000 years later. Ça ils veulent pas spawn hein, nos petits potes là. On fait quoi? Est-ce qu'on fait un petit tour ou est-ce qu'on reste là les gars? Vas-y, à la tombée de la nuit je rush pour revenir ici. Pas pour trouver une tour de pierre. Il y en a pas en fait, on est sur une île. La dernière fois, le dernier live, on a fait le tour de toute l'île, il y a absolument rien. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va attendre la nuit. On voit s'il y a des pierres qui spawnent ici et s'il y en a pas, je vais fabriquer un bateau et on va chercher une tour ailleurs genre. Les gars, écoutez-moi bien. Quand je vais déménager, je vais acheter un vélo d'appartement ou un rameur ou un truc à foutre sur mon balcon et je vais me buter. Écoutez-moi bien, je vais me buter des minutes. J'allais dire des heures, mais en fait non. Mais écoutez-moi bien, c'est cool. Je peux plus faire marche arrière. Dans 6 mois, jour pour jour, là quand j'arrive chez moi, je fais une photo avant avec mon petit bidou là. Parce que je commence à avoir du bide et tout. Vraiment, je vous jure, je m'aime pas trop, ça me complexe. Je me prends en photo mon petit bidou et fin décembre, je vous fais un avant-après. Et vous me direz, ah ouais, putain, le bug il a tenu parole. Bon, les gars, il y a la nuit qui tombe, on se concentre, j'enlève le shader pour bien voir au loin. Mets un cheval pour si tu te rates. C'est une bonne idée. Pour fuir, ça veut dire que je peux fuir les petits anges de merde là? Si c'est le cas, c'est une super bonne idée en vrai, le cheval à côté. Pour se barrer. Ah mais attendez, en fait, il y a les mobs qu'on spawn là. Aïe aïe aïe, il y a du creeper partout et pas de monstre à étendard. Balade-toi, non? Ah, mais si je me balade et que je me fais goumer, gros. Vas-y, je me balade. Je te fais confiance. Si je meurs, Nasty, je te promets que tu seras le seul responsable dans ma tête. Et je pense vraiment, sans exagérer, que potentiellement je t'en veux toute ma vie. Plus ou moins à quelques jours près, quoi. Allez, on y va, on se retourne pas, on fait attention à pas décéder. De quoi t'as peur? D'exploser, gros. Il y a toujours un creeper pour tomber sur le coin de la gueule quand tu t'y attends pas. Sinon, fais slash locate. Non, non, c'est mort, je triche pas, les gars. Là, on va partir tout droit pour être sûr de s'y retrouver. En attendant, mais la terre promise. Il y a pas l'air d'avoir grand chose, hein. Est-ce qu'on se prend un cheval? Allez, il veut pas tomber amoureux de moi là? C'est peut-être pour l'abandonner dans 2 mètres, hein. Ça a l'air d'être parti pour, honnêtement. Ah ouais, parce que là on est vraiment perdu au milieu de nulle part. En fait, le cheval, je l'ai adopté pour 1 minute 30. Mais là, on commence à aller vraiment loin de chez nous, non? Pour avoir le truc. Allez, s'il te plaît, dis-moi qu'il y a une tour. Juste une petite. On va bien finir par en trouver, putain de merde. S'il vous plaît. J'en ai marre de les chercher. En plus, le truc qui est chiant, c'est que sur le retour, du coup, il faudra faire bien attention à pas rentrer dans un village, sinon on déclenchera le truc. Ailleurs. Là, on commence à être un peu loin de la maison en vrai. Hein. J'en arrivais, j'ai loupé quoi? Rien du tout. On cherche des... Oui, on cherche des tours. Putain, yes. Oh là là. Alors attendez, là on est d'accord, juste je descends, je leur pète la gueule et c'est bon. On va pouvoir faire le plan, les gars. C'est maintenant, c'est ce soir là. Vraiment là, j'y croyais plus. Hein. Ok, j'y vais. Je leur détruis la gueule. 100%, ils meurent là. Non, là je meurs pas. Sûr, vraiment sûr. Vous me connaissez, je meurs pas moi. Attends, est-ce que c'est normal, les gars, qu'il n'y ait pas celui qui a un étendard là pour déclencher le truc?
Mais ils veulent pas venir? Mais bah, venez! Mais attends, mais en fait, je prends zéro dégâts. J'ai même pas besoin de me prendre la tête. Genre, je prends pas de dégâts. Vous êtes des gros nulos. Bah attends, mais je descends en fait. Je vous goûte. Mec, y a pas celui avec le drapeau. Non, mais par contre, là, le jeu, il me troll. Oh, il est où votre chef là? Attendez, c'est une blague ou quoi? Je vous cherche depuis 1000 ans. Vous avez pas de chef? Non, vraiment, je deviens fou. Si je suis tombé sur ce truc où il y a pas de chef, le jeu il me déteste. Mec, il y en a pas avec le... Non, vraiment, par contre, c'est abusé. Comme on en a chié pour avoir le truc pour qu'au final, il y a rien, genre. Enfin, c'est un nom. Hein. Oui, il y en a un avec un drapeau. Ok. Toi, je te pète la gueule. Let's go. Oui, oui, oui. Oh là là, putain. Ça va être le moment de rentrer et faire notre plan, les gars. Ok, on va rentrer à la maison. Faut qu'on fasse le... Qu'on soit en face du sud. Oh, mais mec, 5000 blocs, on a avancé, les gars. Attendez, je viens de calculer un truc. Je vais faire monter ce live par mon monteur. Parce que là, ce qui va se passer, ça va être complètement épique. Les gars, tu pourras mettre un truc au montage pour expliquer que j'ai des lunettes moches, mais parce que c'est en remplacement en attendant mes autres lunettes belles et que c'est pas parce que j'ai des mauvais goûts. Je suis pas prêt psychologiquement là pour ce qui va se passer, je vous promets. Genre, je me sens pas serein, j'ai pas l'impression qu'on va le faire là. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je réalise pas que là, on va faire le truc. Ou potentiellement c'est la fin de notre aventure maintenant là. J'ai jamais réussi un seul raid de toute ma vie sans mourir. Jamais, jamais, jamais. Même en mode pas survie et tout. Jamais réussi un raid sans mourir. Les gars, j'ai peur d'y aller. Je vous promets, no fake, j'en rajoute pas et tout. J'ai vraiment peur d'y aller. Je pense que c'est la fin pour nous. Bon stop, on se concentre. C'est le moment qu'on attendait tous les gars. Plus de, je pense, 10 heures de stream pour arriver à ce moment précis. Allez. Allez, c'est parti. C'est l'invasion des monstres. On a tous nos golems de fer. Allez, venez vous battre. Golem. Chère Totum Locomotor. Venez m'aider. On va leur ouvrir la porte. C'est tellement de golems. C'est tellement épique. Mon armée est là. Je me mets en haut et on est prêt. What the fuck, mec, c'est si épique. Gros, regarde ce que j'ai fait. Tous nos golems qui sont juste là pour nous aider. C'est tellement incroyable. Il y a aucun monstre. Ah si, ils sont tous là-bas. Allez, c'est parti. Mais ils se battent contre qui? Je comprends pas ce qu'ils font, mec. Pour le moment, c'est pas épique. Mais attendez, ça va venir. Venez vous battre si vous êtes cap. Pourquoi personne ne vient? Attendez, stop, on fait une pause. Vous pouvez pas attaquer les villageois, j'ai fermé les maisons. Ok, je mets la musique. Je prends mon courage à deux mains. Je vais aller les chercher. Allez, j'en ai plus rien à foutre. On viendra se cacher si jamais c'est la merde. Allez, venez mes chiens. Mes chiens d'attaque. Ok, il y a les sorciers. Les sorciers à battre. Les tireurs d'élite. Je tape un peu tout le monde pour que les chiens ils y aillent. Oh, y a le buffle. Ok, c'est la merde. C'est maintenant qu'on va se cacher là. Venez m'aider, s'il vous plaît, les garçons. Allez. Let's go. Oui. Oh, mec, ils le battent si vite. Allez, je vais chercher les autres. Je vais les provoquer. Il faut qu'on tue celui-là avant de déclencher la prochaine vague. Attention, la prochaine invasion qui va commencer. La nouvelle vague. On peut le faire. Regardez, mon premier golem vaillant qui est allé. Il y va, il pète déjà la gueule de tout le monde. Golem, les murs sont tombés. Allez battre la racaille. Allez leur péter la gueule. Mais mec, ils font tout seul. J'ai peut-être rien besoin de faire. Regarde, lui va se faire goumer. Hop, c'était le meilleur plan possible. Regardez les golems en action. Il y en a même qui se font chier. Terrassez les brigands. J'y vais, attendez, j'y vais un petit peu pour faire, bah, pour filmer au moins. Alors que la ville de Vandersuk est réduite à sac, à feu et à sang, les titans de fer s'affairent à la défendre, coûte que coûte, au péril de leur vie, abattant sur leur chemin ce le moindre monde. Let's go, reprise de volée. Il y a des petits anges. Là, ça craint. Il nous faut le totem. Je regarde partout autour de moi. Où est le mage? Il faut impérativement qu'on le repère. Il est là. Il est là, il est là. Il faut que ce soit lui qui meurt. Il est mort. Oui, le totem. Le totem, le totem. Oui. Oh mon dieu. Oh mon dieu, on l'a. Attendez. Oui. Faut qu'on regarde si on peut en avoir d'autres. Waouh, c'est tellement épique, mec. Vous savez que je suis quasi sûr qu'il y a un autre totem quelque part. Oh, Théma. Théma, c'est tellement épique. Il a terrassé notre golem. Allez, on va leur prêter moins fort. Ils nous invoquent les petits anges. Non, mon chien. Allez, on pète la gueule à tout le monde. Let's go, on l'a eu. Vite, faut faire le tour. Oui, on l'a fait, mec. On a réussi. Oh là 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 là. Le plan a si bien marché. Je regarde partout s'il n'y a pas un autre totem. Oui, c'est un totem, c'est un totem, il y a un autre totem. L'aventure est sécurisée. Le plan n'a pas échoué, mec, j'y croyais tellement pas. Alors, je vais vous dire, je pensais... Enfin, en fait, j'étais sûr, c'est même pas je pensais. Genre, je savais pas, en fait. Pour moi, les gars, un raid, un totem. Je savais même pas que j'en aurais plusieurs. Genre là, j'ai vraiment gagné au loto, là. 1, 2, 3, 4, j'ai 5 totems, gros. Non, j'ai pas fait l'end, j'attendais en vrai pour continuer l'aventure. Du coup, faire l'Ender Dragon et tout, j'attendais d'avoir des totems pour être sûr de pas me retrouver dans la merde. Et là, du coup, bah, j'ai envie de te dire qu'on va pouvoir commencer cette aventure en fait. Hein. Là, c'est vraiment le début de l'aventure, les gars.